Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Je vous présente Chris Deland, Catherine, qui a fait votre portrait. Bonjour Catherine. Bonjour. Ce midi, mesdames et messieurs, nous ne recevons pas une journaliste politique, mais une dompteuse de fauves à main nue. Une dresseuse de politique. Oui, Catherine Ney, depuis vos débuts aux côtés de François Giroud, vous n'avez cessé de fréquenter le marigot politique où se font et se défont les carrières, où ce sont souvent de ses propres amis qu'il faut se méfier, et où les petites phrases lancées entre la poire et le fromage peuvent tuer. Et vous, telle une bouglionne, vous avez traversé les alternances, les remaniements, les trahisons avec votre humour à froid tout britannique. Et pourtant, vous n'êtes pas né de l'autre côté de la Manche, mais dans la bonne ville de Tours. Très jeune, vous décidez de devenir journaliste, profession symbole pour vous de la femme libre et indépendante. À 25 ans, vous entrez à l'Express, au service politique, et François Giroud a la formidable intuition de vous demander de suivre la droite, tandis qu'elle confie la gauche à une autre jeune journaliste, Michèle Cotta. Telles deux Amazones, vous partirez à la chasse aux scoops, serez à l'affût des bruits de couloir et traquerez les petites phrases et les coups fourrés dans ce microcosme parisien où tout se passe. Vous obtiendrez des entretiens avec Pompidou, Chaban, Marchais, Mitterrand. Mitterrand à qui vous consacrerez un livre, Le Noir et le Rouge, livre référence où vous décryptez la personnalité complexe et ambivalente d'un des plus formidables hommes politiques de la Ve République. Le Charentais Matois, l'ancien élève des frères Maristes, le riche résistant vichyssois, le président florentin, toutes les facettes du Machiavel de la Nièvre seront mises à nu sous votre plume acérée. Vous récidiverez ainsi aussi avec un autre ouvrage sur la relation entre Balladur et Chirac, ainsi qu'avec un livre sur Nicolas Sarkozy, autre grand fauve politique. Catherine Ney, vous êtes aussi une grande dame de la radio, puisque depuis le mi-temps des années 70, vous êtes une des voix d'Europe 1. Éditorialiste, journaliste, biographe, nul autre que vous ne peut nous éclairer sur la situation actuelle. Que se passe-t-il ? On a le sentiment de voir se profiler une nouvelle politique, comme il y a eu une nouvelle vague au cinéma ou la nouvelle cuisine en gastronomie. Ou peut-être est-ce un retour à la 4e République avec ses coalitions hétéroclites, ses combinations, ses alliances étranges et ses gouvernements instables qui se faisaient et se défaisaient à la vitesse de la lumière. Je compte sur vous pour nous éclairer. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, madame. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.